C'était une fois, dans un couloir sombre, un petit enfant. Ce petit enfant, à l'époque, avait un imper jaune. Mais maintenant... Quel jour? Non mais on est quel jour déjà? Bon, je me rappelle plus. Moi. Bon, on va dire on est vendredi. Bon, toi tu vas être vendredi, moi je vais être Bob. Tu m'appelleras Bob, ok? Salut les amis. Qu'est-ce qu'on fout là? On n'en sait rien. Faut que je vous raconte. On s'est échappé d'un endroit complètement glauque où il y avait un mec avec un sac sur la tête. C'est tendance en ce moment. Un mec avec un sac sur la tête qui nous poursuivait. J'ai trouvé bah, vendredi, mon pote là, donne la main. Voilà. Vendredi, mon pote. Je l'ai trouvé là-bas. Je sais pas trop ce qu'il foutait, mais il n'était pas en bon état. Je l'ai ramené avec moi. Et du coup, bah, on a réussi à s'échapper. Je vous laisserai regarder comment. Et puis de quelle manière surtout. Et on a traversé, je sais pas, la mer. Et on est arrivé ici, sur cette magnifique endroit. Dans ce magnifique endroit. Ou cette magnifique cité au choix. Qui a l'air quand même bien tordu, quoi. Et on va donc partir faire une deuxième session dans ce... Vous voulez pas savoir. Tiens, qu'est-ce qu'il fout lui au fond là-bas? Man, man, reste pas tout seul, viens avec nous, on va se faire griller des chamallows, on va faire des trucs sympas, tu vas voir. Je crois qu'il aime la télé, lui. Il y a un truc avec les télés. Oh! Je me suis fait avoir. Continue sans moi, John. Quoi, vendredi? Ah oui, c'est vrai, je vais t'appeler vendredi, John. Moi, c'est Bob, hein, toujours. Alors, qu'est-ce que c'était que ce personnage qui était en cendres? On avance toujours très rassuré dans ce jeu. C'est le principe. Hein, Et apparemment, j'espère que c'est du touche, non goutte. Non, c'est vraiment de la peau humaine. Hein. Ok. Il y a des gens qui font des vêtements en peau humaine. Comment ça, je spoil? Non, mais sérieux. Bah, goûtez, vous verrez. Oula, il y a beaucoup de bordel dans cette rue, c'est bizarre. Buddy, t'arrives? Bon, il arrivera bien. En fait, tous les gens ont disparu, il n'y a plus que leurs affaires. Et tout à l'heure, je déconnais, hein, c'était vraiment du caoutchouc. C'est vraiment pas bon comme goût, après, ça reste. Ah, tu m'aiderais? Non, mais je dis pas non, moi, si on m'aide. Voyons voir la situation avant de marcher sur quoi que ce soit. Ces télés sont en équilibre fragile. Et il y a ce nœud qui est là. Il est cool? Non, mais il est coulant. Oui. Je pourrais me pendre, en fait. Comme ça, le jeu serait fini. Ça va pas bouger. Non, ça ne bougera pas. Par contre, si j'attrape la bobinette, je serai. J'ai peut-être intérêt à relâcher un moment, je crois. On va voir ça, ma théorie, si elle tient ou pas. Hop, putain, pourquoi j'ai dit oui?
J'arrive, pas de problème, que des solutions. Tu me connais. Enfin non, tu me connais pas, mais tu vas déjà regretter, je pense. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je joue avec les télés. Whoopi-ting! Désolé, je t'ai envoyé un peu haut, hein. Ouais, je sais. Trace, 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 trace. Buddy, tu me rattrapes? Tu déconnes pas, hein? Comme à la répète. Ouais, je sais, j'ai pas envie d'y aller. Oh putain. Ça me rappelle aussi. Oui, parce que dans l'épisode précédent, j'ai dit ça me rappelle Ico. Au début, quand le pont s'écroule. Oh, le spoiler. Et ça me rappelle aussi Shadow of the Colossus quand Trico vous rattrape dans sa bouche. Et que c'est assez incertain à chaque fois, quand même. On n'aime pas trop, quoi. Alors, on doit aller à droite, nous. Air faussement dégagé du mec et le vertige. Ça fonctionne une fois sur deux. Il est chelou ce tapis, je te laisse passer dessus, mec. On vous le dit, on vous le répète les enfants, regardez pas trop la télévision quoi. Vous avez tout ce qu'il faut sur les smartphones, écran de PC, écran de console. Bien trippy. On va en avoir besoin pour monter là. Non, ça passe tranquille. Fait longtemps qu'on n'a pas rencontré quelqu'un, c'est bizarre. C'est chelou, on nous cacherait des choses. Non, ça c'est beaucoup trop gros à manipuler, je sais pas, essayer. Alors pourquoi je fais ça? Je sais pas, mais il y a un trou dans le grillage du coup. Qu'est-ce qu'on est malin. C'est bien celui-là. Ah bah oui, c'est mieux ça. Oh, regardez ce qui a été laissé là, négligemment un peu exprès.
J'ai une bonne tête comme ça. Faut pas toucher, si. Faut les portraits de famille, c'est magnifique. On saura vite, hein. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir éteint? Forcément oui, parce que tu vas vers la lumière derrière, du réflexe humain. Va chercher la baballe, moi je te regarde faire. Non, j'aime pas quand il y a des tapis, je pense tout le temps au trou qui est en dessous. Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Si tu prends une baballe. Attends. Je vais péter un carreau. Les enfants adorent péter les carreaux. Oh, j'ai paumé la balle derrière! Bon, je te laisse avec ton truc là, moi je m'en fous. Pourquoi je montrais là? Parce que. J'arrive pas à monter après, c'est trop dur. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire, bud? Vendredi. Tu me suis? Tu te tais surtout, hein, comme t'as fait depuis le début. Je vais te faire voir tout ce qu'il faut pas faire. C'est pas là non plus, Buddy. Je t'appelle Buddy un vendredi maintenant, il y en a marre. Tu peux éteindre, because. Because il y a une lumière derrière le tableau. Ça se précise. Viens avec moi, buddy, j'ai un plan. Oui, je suis comme Hannibal. Non, pas celui-là, pas celui qui mange les gens. L'autre. Et j'aime quand un plan se déroule presque bien. C'est déjà pas mal. Je vais prendre moi. Je vais prendre ça, tiens. Fais comme moi, mec. Tout à l'heure, t'en as pris un. Prends. Prends. Tiens, je te le donne. T'es con, hein. C'est pour ça que c'est moi le cerveau dans l'équipe. Tout le monde l'aura compris. Mon vendredi, ça a aucun sens de l'initiative. Si je rate. Tu vois, vendredi, pourquoi je suis le chef? Non, mais regarde-moi quand je te parle. Voilà. Et tu vois ce qui arrive quand. Ah, je vais pas le faire, ça, c'est. Non. Il faudrait que je me mette en face, ce serait beaucoup mieux. Oh, une salle de jeu. Regardez, il y a même un petit maillet, une pince. Pff, les enfants devaient vraiment beaucoup s'amuser ici. T'arrives vendredi ou tu fais du stop? Installe-toi sur la chaise. Là. Ah, mais viens. Il y va, ce naïf. On n'a pas beaucoup de jouets par ici. Hein. Ah. T'es moche. J'aime quand tu comprends, vendredi. Tu ne parles pas beaucoup, mais tu es un équipier de valeur. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette boîte, j'avais envie. Ah, tiens, j'ai envie encore. Ça va, Dordi, tu suis? Attends, j'ai mes cendres, d'autres dit. Comment ça, il faut pas fumer dans les jeux? Je m'en fous! C'est pas affiché à l'écran, je suis pas punissable.
tu es passé, tu me suis? Non? Non, je te cache la boîte. T'en dis? Tu me gonfles? Pourquoi on peut pas se... Ah. Tant pis pour la boîte. Il voulait pas que j'amène ma boîte. Eh bien. On va voir si les placards sont fonctionnels, ça pourrait être utile. Pot de. Je veux bien que tu m'aides à grimper là-haut. Comme ça, quand on le. Je sais pas qui c'est viendra. Tu te débrouilleras avec, hein? On est à peu près d'accord, non? Non? Je les essaye tous, hein. Parce que mon grand talent, c'est de tomber sur celui qui... Pourquoi faire ça? C'est pour pas faire tout de suite. Non, c'est pour pas faire tout de suite, mais ça va avoir une utilité pour être présenté comme ça. La baballe! Ça a bien fonctionné ce piège, mais vraiment. Attends, je réfléchis. Vendredi, j'ai une idée. Non, je me lève pas, j'ai mal à la tête encore. Tu vas chercher la balle et je te donne un truc que j'ai dans ma poche. Ok? Alors, est-ce que j'ai le temps de faire quelque chose avant que le saut m'arrive sur la gueule? C'est la bonne question à se poser, ça. Voilà, puis ce saut il se déclenche tout seul, alone. Il a besoin de personne. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que quoi? On va explorer, hein, les gars, parce que je. Oh, y a un petit là-bas. Petit, n'aie pas peur. C'est Bob. Oui, je suis Bob aujourd'hui. Je jette très bien des boulettes de papier. Il s'est planqué ce con, je suis sûr qu'il s'est planqué dans un placard. Bon, celui-là on peut rentrer dedans. C'est certainement parce qu'il y a un bout d'idée, hein. Je voudrais pas faire le mec qui sent un peu venir loin, mais vous avez fait pareil, hein. On va voir. Ça aime les enfants ici, hein. Y a un lance-pierre, prends-le. Donc on notera que les lattes ne sont pas nos amis. Et cette balle qui était de l'autre côté, moi je suis pour la prendre. Mais c'était un môme qui était par terre. Je peux plus retourner de l'autre côté. L'autre côté! L'autre côté! C'est fini! On n'ira plus jamais! Drame. Oui, j'avais une idée avec ma baballe. Bah oui, balancer la baballe pour qu'elle passe sur les planches branlantes. Et que ça nous évite des... Parce que celle-là, elle est... Oh là là. Oui, on arrive, le enfant, on arrive. Il y a plein de blagueurs par ici où je ne m'y connais pas. Qu'est-ce que quoi? Je ne peux plus passer du coup que ça. Ah, mon courroux, tout ça, comme d'hab, il y a un truc planqué derrière la porte, c'est obligé. Non, je rigole. Bon, vendredi. Tu vois les trucs au plafond? C'est pour nous.
Tu vas suivre très précautionneusement l'endroit où je passe. Non, 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 reste dans mes pas. Reste dans mes pas, Drody. Là, il y a un truc chelou sur cette planche. Qu'est-ce que c'est là-bas? Mais cours pas comme un... Tu vas nous faire... Drody. Coup de boule. Non mais coup de boule. C'est moi qui fais. Ah là, maintenant j'en ai plus rien à foutre, hein. Je passe comme un taré. Hein. Tu m'as gâché le truc. On n'avait rien à faire là-dedans à part déclencher cette connerie là qui nous ferme le passage. Et peut-être se prendre ça sur la gueule, on va savoir. Ouais. Ah il est blagueur, il est blagueur. C'est lui qui nous fait tous ces pièges. Suis-moi, Drody. La dernière planche, t'attends pas que j'avance pour y aller. Parce que ça n'a aucun fun, mais alors aucun. Vas-y. Il y a encore des planches de partout branlantes. Coin, 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 coin. Va chercher le canard. Oh, j'ai mal au crâne aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai bu hier. Une lampe à sodium, peut-être. Bon, on va éviter ça. C'est mal. On va passer de ce côté. Ça change. Hein. Drody? T'as ouais, vu les traces dans le. Tu m'étonnes que j'ai mal à la tête. On va dire que ça passe. Ouais, ça passe, regarde. Hop. J'ai passé l'âge de ces conneries, moi. Ah oui, on va la faire l'arme fatale, monsieur. Ah oui, c'est pas dessiné, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme gueule encore cet enflure? Tiens! Et celle-là, tu les mets mieux? Eh ben tiens aussi! Bachibouzouk! Ornithorynque! Moule à gaufre! Qui est dans celui-là. Mais oui, ça c'est déverrouillé, on s'en fout. Ils ont rien dans le crâne, ces mômes. Je suis toujours vivant. Je suis toujours vivant! Je vais prendre cette masse. Oui, non, mais moi, c'est... S'il faut jouer, on va jouer. J'avais prévenu. Ah, double strike, c'est pas mal, non? Ok, c'est mal. On refait. J'ai un début d'idée, mais j'ai toujours ce mal de tête, c'est incroyable. En plus, le pire, c'est qu'on le voit bien ici, ce machin-là. Bon, on y va. Je vais lui déclencher sur la gueule, ce sera plus drôle. Ou encore mieux. Ouais, je trouve quelque chose pour le déclencher. Une boulette de papier, ça va être trop léger. Ouais, c'est ça. Viens, espèce de belliqueux. Où qu'il est le belliqueux à papa? Où qu'il était le belliqueux à papa? Oui, je tape avant d'entrer, moi, c'est...
Ça a déclenché le truc du coup. C'est pas mal. J'ai pas fait exprès du coup de réussir ce passage. Ah, je les quitte plus, ma masse. Moi, je suis amoureux là. Pardon, monsieur Croix. Mais. Ne, 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 ne. Mais. Ne, 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 ne. Surveille les casiers ouverts. Qu'est-ce que quoi ça? What did happen, les gars? Voir ce qui est faisable. Je crois que la maîtresse est en train de bosser, on va pas l'emmerder, hein. Je peux pas ramasser un cahier ou une connerie comme ça pour faire semblant de... Studio, je pense pas que je vais te planquer. Ouh, la jolie clé que voilà. J'espère que je vais pas faire trop de bruit pour la récupérer. Je boude vraiment, les amis. On va y arriver. Il y a un passage là, on dirait. Mais bordel. Ok, later. Later the better. Je commence à monter et je m'en vais tout de suite. Oui, c'est une très très bonne initiative ça. Maîtresse, elle va pas être contente. Qu'est-ce que quoi? Ah la tête! Ah la tête! Ah la tête! Ah la tête! Oh la vache! Elle a un problème, cette instite. Sauter, c'est ça, hein? Oui. Non, mais j'essaie de vérifier mes commandes avant de faire une énorme connerie. Mais vas-y, fais pas ton timide. Attends, tu bouges. Et tu vas dans la boîte là-bas. Bouge plus de cette boîte. Ah ouais, elle a un problème quoi. Elle a un problème. Madame, madame. Vas-y, ferme bien la porte. En douille. Oh, douille! J'ai toujours ma clé, j'espère. Je vérifie. Je suis pas pressé d'être de l'autre côté. Très bien. Attends, 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 attends. Non, 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 vas-y, pas. Vas-y, vas-y.
elle va, cette conne. Dis-moi pas qu'elle sent les odeurs quand même. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, c'est super, j'y vais. Ah non, 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 non. Un double à la vieille. Attends, on y va cette fois. Infiltration. Pense à Metal Gear. Après, je trouve un carton. Et des cigarettes à mon âge, surtout. Te tue. Oui, calme. Hein. Oui, super calme. Où qu'elle va, où qu'elle va. Je suis coincé, mais c'est pas cool. Ta base. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Non, ça marchera pas. Si, ça marchera. Oh, ma zette, quelle tension! Oui, j'ai disparu totalement. C'est une de mes capacités. Ben non, je blague. Vous voulez découvrir la suite? Ah, ça sera dans un nouvel épisode. Hein. Je vous ai dit que je me cantonnais à des durées de 30-40 minutes maxi pour pas que ce soit trop long. Donc, on ira faire encore un nouveau tour dans ce Little Nightmares 2 qui est très très réussi sur son ambiance, comme d'hab. Très très réussi sur son apparence aussi. La maniabilité, oui, il y a des moments où on en bave un peu à se mettre en face de ce qu'on veut activer, mais apparemment, c'est un problème qui va rester récurrent dans le jeu. Il faudra faire avec. Et puis, c'est tellement rigolo de s'amuser à se faire peur. Allez, playlist, playlist, bouton d'abonnement. Moi, je vais aller voir si j'ai pas des gosses qui me vendent dans tout ce bordel. Pour fille, ça, pour fille. Là, trop grand. Non, ça. Ah, ça va mal.